l'énergie, ça tombe bien, c'est une scène d'action que vous allez tourner tous ensemble ce soir, la scène 85A, l'attaque du météore. Okay? I'm really sorry that I will not speak English at all during that thing, I will only speak French, but don't worry, because there is two black screens over there, two small screens with subtitles for your own language. We got English, German, Dutch, Espagnol, Italiano et Français, beaucoup de sous-titres, donc pour cette première partie qui va durer 10 minutes, mais vous le savez déjà, ça! Et ensuite, on ira tous ensemble sur ce fameux plateau des effets spéciaux, ce fameux studio 7. Avant de démarrer, petite question, est-ce que tout le monde a bien vu le film Armageddon dans cette salle? J'ai entendu quelques noms. C'est vrai qu'il n'a pas vu le film. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait énormément de monde. Ce que je vous propose, c'est de commencer par regarder le film dans son intégralité. On profitera encore plus une dernière fois de cette magnifique attraction. À 3, 1, 2, 3. Je viens d'avoir la régie au téléphone, malheureusement on n'aura pas le temps de regarder le film en entier. Ouais, on va donc regarder ce petit clip pour se mettre dans l'ambiance du tournage de tout à l'heure. Attendez, vous êtes tous bien des acteurs envoyés pour le casting. Ouais. Vous êtes tous bien des professionnels dans cette salle. Oui, ouais, ça tombe bien, ça promet. En tout cas, moi je veux faire de vous de véritables stars. Et ça tombe bien parce qu'on parle d'effets spéciaux ce soir, les acteurs. Vous allez vous amuser parce que c'est un morceau de choix qu'on vous a réservé, une scène très spéciale. Sachez que c'est grâce aux effets spéciaux que le cinéma réalise ses plus grands tours de magie aujourd'hui. On en était capable, grâce aux effets spéciaux, de réaliser tous les rêves du cinéaste, et notamment celui de Michael Bay qui a réalisé le film Armageddon. Mais ce qu'il faut savoir par contre, c'est que les effets spéciaux, ça n'a pas été créé par un Américain, non. C'est toi? C'était un jeune magicien français il y a environ un siècle de cela, il s'appelait Georges. Rétrospective des deux spéciaux. Merci de faire un triomphe à monsieur Michael Bay. Pour accueillir les applaudissements de monsieur Michael, qui nous a emmenés au bout du rêve pendant 17 ans. Merci Michael. Alors la scène qu'on va tourner aujourd'hui, les acteurs, la scène 85A, l'attaque du météore bien sûr, et voici en direct le météore géant. Il fonce droit vers la terre, tout détruire sur son passage, mais vous, ne vous en faites pas. À partir de maintenant, vous êtes censés jouer les cosmonautes. À bord de cette station spatiale russe, vous serez plus principalement dans ce centre de contrôle, donc c'est vous qui serez aux commandes de cette fameuse scène, les acteurs. Pour vous épauler durant le tournage, vous ne serez pas seul. En premier, il y aura qui? L'ordinateur central relié avec nous directement depuis la régie. Ordinateur, est-ce que tout va bien sur le plateau? Est-ce que tous les systèmes biologiques sont normaux? Système biologique normaux. Oh, je l'adore. Merci à toi. De rien. Parfait. Le deuxième interprète avec vous, ce sera le colonel Yandropo, bien sûr. Good morning, camarade. On dit bonsoir, colonel. Tout le monde dit bonsoir, colonel. Et oui, ravi de vous voir pour la dernière fois. Et ce soir, ça tombe bien, c'est un jour comme les autres. Vous, les acteurs, vous vaquez à vos occupations quotidiennes à bord de la station spatiale quand tout d'un coup... Alerte. Alerte. Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisque l'ordinateur central a détecté que vous serez pile poil sur la trajectoire de l'astéroïde. Donc au final, vous allez vous retrouver dans une situation complètement... Perdue et catastrophique. Avant de démarrer les répétitions, vous savez quelle émotion va jouer les acteurs, vous le savez déjà d'avance. Je vais demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui vous ont accompagnés jusqu'au bout du rêve. Je parle bien sûr de l'équipe. Maintenant, c'est l'opportunité. Et l'ultime tournage, et Caroline qui est avec nous au guest star. L'ultime tournage, l'ultime répétition. Vous allez nous jouer la peur à quoi? 1, 2, 3. Non, je crois qu'on s'est mal compris. Ici, c'est Armageddon. C'est pas Mary Poppins. On va recommencer. La Reine des Neiges, c'est sur l'autre parc. Là. Donc à 3, je veux la panique totale. Les actes pour la dernière fois. 1, 2, 3. Bravo les acteurs, le palais sur le plateau. Les portes vont s'ouvrir sur votre gauche.